tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up dans le nord de la France, près de Lille. Et la carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une carte avec une petite surprise. Alors j'espère qu'elle va se dérouler normalement à l'ouverture. Hop là, voilà. C'est une carte avec trois petits éléments qui tournent sur eux-mêmes. Comme ceci, je l'ai adapté d'un projet que j'ai trouvé par Liz Shannon. Voilà, on se jette tout de suite dans la réalisation de cette carte. Pour cette version, je n'ai pas voulu vous saouler avec la réalisation des décorations. J'ai donc déjà préparé quelques petits éléments. Cette fois-ci, on va faire un thème un peu maritime, on va dire. J'ai déjà découpé et tamponné les petits éléments qui vont tourner sur eux-mêmes. J'ai préparé un souhait et il vous faudra pour le mécanisme un morceau de papier cartonné qui mesure 28 cm sur 10. J'ai déjà fait une petite décoration, j'avais envie de le décorer cette fois-ci. Et puis il vous faut une base de carte aux dimensions habituelles 14,85 ou 14,8 sur 21 avec un pli à 10,5 qu'on va faire de ce pas. J'ai préparé ma grille de marquage. Alors pour la carte, hop, je l'attrape. C'est très facile parce que le pli des 10,5 existe. Et puis pour ce morceau-ci, on va marquer un pli à 2 cm, puis à 6, 10, 14, 18. Je pense que vous avez compris le principe. 22 et ensuite 26. Donc d'abord 2 cm et ensuite tous les 4 cm. Pour marquer les plis, on va commencer, voilà, le deuxième pli, je le plie comme ceci parce que j'ai déjà tamponné, donc je voulais m'assurer d'être dans le bon sens. On a donc un premier pli dans un sens et ensuite on fait juste un accordéon. Si vous n'avez pas fait vos décorations, c'est quelque chose que vous pouvez faire, le sens dans lequel vous allez le faire n'est pas important. Par contre, si vous les avez faites, le deuxième pli est un pli en montagne. Vous allez avoir comme ceci un côté avec 3 plis et un côté avec 4. Celui avec 4 est à l'arrière, celui avec 3 est sur le devant et c'est dans celui-ci qu'on va découper des ouvertures. Pour mes ouvertures, j'ai prévu d'utiliser la machine de découpe de Stampin' Up. Si vous avez des perforatrices cercle, ce sera tout aussi bien, voire peut-être un peu mieux, parce qu'il vous suffira d'enfoncer la perforatrice aussi loin qu'elle voudra bien aller. Et là, vous serez sûr d'avoir une mesure qui sera exactement à l'endroit que vous souhaitez. Pour ma part, alors c'est pas que je n'en ai pas, j'en ai gardé. Mais Stampin' Up ne les vend plus. Donc je ne veux pas vous narguer avec des choses que je ne pourrai pas vous fournir. On va donc faire nos plis à chaque fois sur nos découpes sur les plis en montagne. Alors, le plus compliqué, ça va être, puisque j'ai déjà marqué mes plis, de le faire tenir. Mais on va tenter de le convaincre. Oui, comme ceci, ça me va bien. Et hop, je le passe dans la machine. Et ensuite, je vais utiliser... Alors, vous pourriez choisir de décaler, pourquoi pas, vos petites ouvertures. Je vais essayer personnellement de les mettre à peu près au même endroit. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié ma première découpe. Et ensuite, ça me sert de repère pour placer la découpe suivante. Parce que moi, j'ai envie qu'elle soit à peu près au même endroit. Mais à nouveau, je vous dis, si vous avez envie d'en faire un en escalade, c'est tout à fait possible. Hop. Et je vais faire la troisième de la même façon. Voilà, j'ai terminé mes découpes. Je vais pouvoir installer mes petits éléments. J'ai donc découpé des étoiles de mer qui viennent du set de tampons. Les amis sont comme des coquillages et qui est coordonné à un lot de poinçons. Il est un peu particulier ce lot de poinçons. Alors,
On connaît les articles qui seront au nouveau catalogue. J'ai même déjà vu le nouveau catalogue, les démonstratrices. On peut y jeter un œil un petit peu plus tôt. Alors celui-ci, voilà, on a un élément comme ceci qui va découper un élément de décoration. Et donc certains des éléments ici tamponnés peuvent être, font partie de cette grande découpe, mais ne peuvent pas facilement être découpés à part. On a quand même la petite coquille, l'étoile de Mérier et deux éléments pour les algues. Donc c'est quand même une petite découpe sympathique. Et puis on a aussi, toujours associé et coordonné, un plioir que j'ai mis en couleur. J'ai donc passé mon papier, puis je l'ai mis en couleur pour faire des éléments. C'est ce qu'on mettra sur le devant. Là, on va préparer notre mécanisme. Alors, on retourne le papier. Personnellement, vous pouvez choisir de coller vos petits éléments avec un adhésif tout bête, du scotch, quoi. Moi, je vais utiliser l'adhésif découpe facile, mais un bout de scotch, ça ira très bien aussi. Je vais utiliser, alors j'avais envie d'utiliser celui-là, mais en fait il n'est pas tout à fait associé. Peut-être je vais prendre plutôt celui-ci. Alors ce sont les ficelles à rôti au naturel, quelque chose comme ça, essentiel, qu'on peut avoir chez Stampin' Up. Hop, j'attrape le bout et je vais découper trois morceaux de ficelle comme ceci, qui font à peu près la taille de la hauteur de mon petit élément. Il m'en faut trois. Je vous mettrai comme toujours les mesures pour réaliser la carte si vous avez envie de la faire, et puis aussi bien sûr le lien vers la boutique si vous avez envie de vous acheter certains éléments. La petite ficelle, je vais vous en montrer une, puis je ferai les autres peut-être hors caméra pour ne pas vous saouler. Personnellement, comme mon adhésif n'est pas très large, la bande n'est pas très large, j'en découpe deux morceaux. Et avec ces deux morceaux, je colle ma ficelle. Alors attention, il ne faut pas décoller la protection qu'il y a ici. C'est pour ça que je vous dis, vous pourriez utiliser un scotch classique. Parce que sinon, si vous enlevez la protection, la carte ne s'ouvrira plus, ça va coller vos deux panneaux. Ce serait très embêtant. Et ensuite, pour coller, j'ai fait des petites erreurs, j'ai utilisé des versos. Pour coller ma... Comment ça s'appelle? Mon étoile de mer, j'y pose un élément. Là, il faut du double face. Un élément, j'enlève la protection, je la glisse en dessous. Alors, les étoiles de mer ne sont pas tout à fait symétriques. Il y a une toute petite différence, mais vous pouvez décider de chercher la symétrie parfaite, elle existe. Personnellement, cet élément comme ceci, ça me suffit. Et voilà. Et on a donc une petite étoile de mer qui va pouvoir, hop, tournicoter sur elle-même. Je fais les deux autres et je vous retrouve. J'ai terminé de monter mes petites étoiles de mer. Alors, vous voyez, elles tournicotent éventuellement sur elles-mêmes. C'est pas forcément très grave. Si vous avez envie d'assurer vos petites étoiles, vous pouvez rajouter un petit peu d'adhésif liquide sur le côté des branches. J'avais envie de partager avec vous la petite astuce, en tout cas la technique que j'utilise pour réussir à coller cet élément au bon endroit. J'ai découpé un morceau de papier cartonné de la même couleur qui mesure 5 cm sur 14,3. Voilà. Et en fait, je m'en sers comme repère parce que c'est lui qui va me permettre éventuellement d'écrire un message, ou alors j'écrirai au verso. Mais du coup, je vais mettre un peu d'adhésif liquide pour avoir le temps de bien ajuster la position. Et en fait, c'est cet élément-ci qui me sert de repère. Je ne l'ai pas encollé. Il me sert juste de repère pour vérifier que cet élément-ci est placé au bon endroit. Pour coller l'autre partie, je referme le mécanisme. Je mets de l'adhésif uniquement sur cette bande. Et ensuite, je referme la carte.
Alors sur mon prototype, le devant de carte, je l'ai juste tamponné. Cette fois-ci, j'ai choisi de faire une décoration sur un autre élément pour donner un petit peu plus de rigidité à ce devant de carte. Mais tout est une histoire de choix comme d'habitude. Je vais coller ce petit élément. Donc comme je vous disais, il me permet de cacher un peu ce mécanisme et puis aussi d'avoir un espace sur lequel je peux écrire un message. Vous pouvez évidemment passer cette étape et vous pouvez aussi à l'inverse. Moi, j'ai choisi un papier qui soit un peu clair, donc je vais pouvoir écrire mon message directement dessus. Mais si vous avez choisi un papier foncé, dans les mesures, je vous mettrai aussi la mesure pour un élément blanc à ajouter encore sur le dessus. Je vais pouvoir rajouter cette décoration. On commence à revenir à la belle saison, peut-être aux vacances. Moi, j'habite pas du tout près de la mer. Enfin, pas du tout, elle n'est pas inaccessible, elle est à une heure, on va dire. Mais j'y vais quand même assez rarement. Alors, comme on a passé notre mécanisme dans la machine de découpe, les plis ont été à nouveau aplatis, donc je vais les refaire. Et puis, évidemment, on a l'épaisseur de la corde. Donc, pour un passage au courrier, ça ne va pas forcément être très simple. Pour être remis comme ça, en main propre, dans un cadeau, ce sera parfait. Ça fera son petit effet. Je mets mon petit souhait qui vient du même set de tampons que j'ai déjà tamponné, comme je vous disais, pour ne pas vous saouler avec ça. Et alors, quand vous envoyez la carte, il faut d'abord tournicoter vos petites étoiles. Alors, comme il y en a trois, ça demande... Il faudrait trois mains, mais si vous pouvez demander à quelqu'un de vous prêter une main, ce sera parfait. Vous pouvez aussi choisir d'adapter votre cercle en fonction de la taille de l'image que vous allez glisser à l'intérieur. Et une fois que toutes vos images sont bien tournicotées, vous pliez votre carte et vous la glissez immédiatement dans l'enveloppe. Normalement, à l'ouverture, ça va tournicoter. Je crois que j'aurais dû découper, comme je vous disais, une ouverture plus grande. Ça n'est pas grave. En tout cas, même sans tournicoter, je trouve que ça fait un petit élément bien sympathique avec une carte à déposer. C'est pour ça que j'ai voulu décorer le bas. Voilà, la version papillon, la version étoile de mer. J'espère que cette petite idée vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, ça me fait toujours très plaisir. Et en tout cas, avant notre prochaine rencontre créative, je vous souhaite de passer de belles journées. Et bien entendu, je vous embrasse.